Bienvenue à tous à cet entretien spécial en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Un entretien spécial et un invité spécial. Il s'agit de l'un des, si ce n'est l'homme d'affaires le plus successful sur le continent africain. Il a diversifié les secteurs de son activité. Il a commencé petit, il s'est agrandi. Il est d'ailleurs l'homme le plus riche d'Afrique selon le classement de Forbes, et ce depuis 12 ans maintenant. Il a une relation très particulière avec le Royaume. Nous avons la chance d'être là à Marrakech, à ses assemblées, pour pouvoir lui poser des questions. Nous le remercions d'ailleurs pour répondre à nos questions. Aliko Dangote, thank you for being with us. Merci today. Beaucoup, Tracy, avec nous, M. Dangote. Merci à vous. Ça fait plaisir, Tracy. Merci. Bien, nous savons que Nigeria et Maroc ont tissé des relations très fortes au fil de plusieurs décennies. Il y aurait même des gens qui diraient des siècles. Oui, alors comment vous percevez l'évolution du Maroc du point de vue économique, social et politique, notamment au fil des 20 dernières années sous les orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Je pense que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, en fait, a fait un fabuleux travail pour le Maroc. Depuis qu'il est devenu roi, vous voyez l'énorme transformation et la différence. La différence, elle est évidente, vous n'avez même pas besoin de prouver cela. Et j'en arrive ici à l'investissement ici au Maroc. Quand vous regardez cela, c'est l'une des devises les plus stables en Afrique. Il s'agit là du dirham marocain. Il a fait beaucoup de bon travail. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, les gens ne savent pas que le Maroc, en fait, fait beaucoup de dégâts, 9 milliards en termes de gaz. Alors, vous avez donc un secteur privé robuste. Est-ce qu'on veut tous voir ici en Afrique? Je voudrais bien voir ici au Maroc. Je voudrais bien venir et établir un partenariat. Et aussi voir tisser des partenaires avec le secteur privé et quelqu'un qui puisse prendre le risque avec moi. Alors, le Maroc, à ce titre, est une destination d'investissement. Et je devrais féliciter Sa Majesté le Roi Mohamed VI parce qu'il a essayé d'établir ces bonnes relations avec mon pays. Je suis un peu égoïste ici. Les relations sont assez bonnes entre le Maroc et mon pays et j'espère que ça va continuer. On va capitaliser sur cela. On doit s'assurer que notre gazoduc de Nigeria au Maroc, j'espère que ce rêve deviendra réalité. Oui, surtout quand le capital est disponible pour financer un tel grand projet. Ce gazoduc Nigeria-Maroc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre le secteur privé, pour le faire bouger vers ce grand projet en Afrique? Oui, l'investissement du secteur privé ne peut pas le faire tout seul. On doit parler aussi aux investisseurs institutionnels et aux différentes institutions. Et comme ça, il y aura beaucoup de fonds qui vont venir aussi de l'Europe. Et comme ça, ça va être une alternative à ce qu'ils ont déjà. Alors, le gazoduc est vraiment logique dans ce sens. Il est bancable, et puisqu'il est bancable, donc il y aura des fonds pour les projets bancables. Alors, ceci donc est faisable. Dangote Cement est aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises nigériennes. Alors, vous savez ce que c'est un projet réussi. Oui, je connais cela, oui, tout à fait. Alors, pourriez-vous partager avec les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui quelques éléments principaux pour une entreprise réussi, un projet réussi. En Afrique notamment, parce que nous parlons de l'Afrique. Personne ne peut développer l'Afrique
hormis nous. Alors, on doit aller de l'avant par rapport à ce défi pour qu'on puisse créer de l'emploi et pour qu'on puisse aussi occuper nos jeunes. Et on donne par la même occasion une autre opportunité aux autres pour venir ici en Afrique pour investir. Je ne dis pas que ce soit un terrain facile, mais c'est aussi, il est aussi passionnant de voir comment est-ce qu'on peut créer d'emplois et pour qu'on s'assure que l'on puisse mettre à profit nos ressources pour développer notre continent. Et ce que nous essayons de faire, ce n'est pas uniquement dans le ciment que vous avez mentionné, nous sommes aussi, nous opérons aussi dans le raffinage de pétrole, dans les produits chimiques. J'allais venir à cela. Donc nous avons fait beaucoup. Et si vous regardez un petit peu notre parcours, en fait, nous avons rendu beaucoup de pays africains autosuffisants en matière de ciment. Et nous avons réduit beaucoup dans le ciment en termes d'émissions de dioxyde de carbone. La plupart des usines de ciment travaillent et opèrent à hauteur de 40% d'alternatives. Donc, nous investissons dans la technologie pour qu'on s'assure que nous sommes toujours à la hauteur. Alors, vous avez une nouvelle raffinerie qui a été lancée dernièrement. Alors, maintenant, nous sommes dans ces assemblées ici, et toutes les réunions portent sur la transition énergétique. Est-ce que vous pensez que c'est une question urgente, une urgence pour les Africains, pour les pays africains qui comptent beaucoup et qui s'appuient sur l'industrie pétrolière, et les gens travaillent et tirent leurs revenus de ces industries? Ou est-ce que vous pensez qu'ils doivent s'adapter aux orientations des institutions de Blackwood? Alors, cette question, justement, nous avons dans ce sens une vision optimistique. On dit que très bien, oui, il n'y aura pas toujours le pétrole dans tous les pays. Nous avons le Royaume-Uni qui a changé sa chronologie de 2003 à 2035. Mais ça ne va pas se produire dans certains pays. Quand vous voyez des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis qui ont élargi leurs opérations en matière de pétrole. Pour se débarrasser du pétrole, ça va prendre beaucoup de temps. Je ne dis pas que ça ne va pas se produire. Je dis que ça va se produire, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de... Même nous avons... vous savez, il y a des gens qui n'ont pas d'électricité. Nous avons 600 millions de personnes qui parfois n'ont pas d'électricité. Donc, on ne peut pas toujours suivre les transitions et laisser de côté ce qu'on a. Je ne suis pas vraiment convaincu, mais... Par exemple, pour ce qui est du charbon, on nous dit de ne pas utiliser le charbon, mais voilà, finalement, on voit que le Royaume-Uni qui donne des autorisations à des institutions, aussi à des usines pour produire du charbon. Même chose pour l'Allemagne après ce conflit russo-ukrainien. Donc, nous allons suivre cette transition, mais au fil du temps, l'apport des émissions de l'Afrique, ce n'est qu'à hauteur de 40%, même si on descend à zéro. Alors, 0% contre 100%, ce n'est pas vraiment beaucoup. Mais nous faisons quelque chose, mais on doit s'assurer que nous créons de l'emploi. Alors, serez-vous capable d'investir dans cette transition verte? Oui, nous sommes déjà en train d'investir dans cette transition verte. Ce que je dis, c'est que toutes, par exemple, nos usines à canne à sucre sont en vert. Nous utilisons la bagasse pour générer de l'énergie. Nous avons un excédent d'énergie. Nous utilisons aussi les balles de riz. Nous avons 1 million de tonnes de riz non décortiqué que nous apportons aux agriculteurs. Et aussi, nous avons l'énergie verte à travers l'enveloppe de riz. Alors, quand vous voyez un peu le raffinage de pétrole, nous aidons aussi dans ce sens en matière de pétrole que nous recevons. Nous recevons un pétrole qui pollue l'environnement. Donc, nous aidons dans ce sens. Nous essayons d'utiliser l'Euro 5 qui a moins d'émissions et qui est moins polluant. Alors, que pensez-vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le secteur privé soit plus unifié et qu'il parle de la même voix? Comment est-ce qu'on peut se regrouper ensemble dans le secteur privé des pays africains? Alors, déjà, les gouvernements doivent se mettre ensemble, s'unifier et aussi mettre à profit les accords de libre-échange. C'est vrai que on ne peut pas le faire du jour au lendemain.
Rome n'a pas été construite en une journée, c'est vrai. Mais il y a des choses dont on parle depuis très longtemps. Nous avons besoin de la volonté politique pour qu'on puisse un petit peu se regrouper, qu'on mette de côté nos différences, pour qu'on puisse avoir un continent sans frontières. Est-ce que vous pensez que le secteur privé pourrait aller de l'avant et qu'il mette de côté les questions politiques au gouvernement et qu'il s'avance beaucoup plus dans les entreprises, dans les activités commerciales? Non, en fait, si moi je veux collaborer, par exemple, avec le Maroc, à moins qu'il y ait des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et Nigeria ou avec d'autres pays qui sont tout autour, le Maroc ne sera pas capable de réussir dans les coopérations. Alors nous avons toujours besoin de cet appui politique, ce soutien politique de différents gouvernements. Vous savez, par exemple, moi-même, j'ai besoin presque de 32 visas pour me déplacer en Afrique. Quelqu'un qui a un passeport britannique aura beaucoup plus accès que moi en Afrique. Alors, parfois, nous avons des produits qui sont produits ici en Afrique et qui partent en Europe pour qu'on puisse les ramener ici. Ça n'a absolument pas de sens. Il faut qu'on essaie de collaborer entre nous, qu'on puisse créer de l'emploi entre nous. Alors, création d'emplois et des opportunités pour les entrepreneurs, tant que je sache, dans la fondation Dangote travaille beaucoup pour donner des chances aux jeunes. Les Africains, notamment les filles et les femmes. Alors, comment est-ce que vous trouvez que ces efforts sont complémentaires avec les efforts du gouvernement pour encourager davantage de jeunes afin qu'ils puissent mettre en place leurs propres entreprises telles que vous avez fait vous-même? En fait, je travaille avec beaucoup de gouvernements pour tisser des partenariats. Alors, si vous voulez que ça réussisse, il faut qu'il y ait un partenariat public-privé. Alors, PPP doit fonctionner. Et nul ne peut travailler seul. Donc, la coopération entre le gouvernement et le secteur privé est indispensable pour créer quelque chose de grand et de réussi. Alors, ma toute dernière question, peut-être un tout dernier message. J'ai commencé mon entretien en vous demandant ce qui rend une entreprise réussie. Alors, qu'est-ce qui rend une entreprise réussie aujourd'hui en 2023? Est-ce que c'est aussi facile que lorsque vous avez commencé vous-même votre entreprise? Non, les choses ont beaucoup changé avec l'avènement de l'automatisation. Et donc, vous n'avez plus besoin de beaucoup d'efforts, autant d'efforts dont on avait besoin nous. Je vous rappelle que moi, j'ai commencé il y a 45 ans. Alors, les choses n'étaient pas aussi robustes que maintenant. Il n'y avait pas de téléphone mobile, il n'y avait pas d'Internet, rien. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde entièrement différent. C'est le 21e siècle. Je pense que, avec le système actuel, avec ce qui se passe, avec beaucoup de gens bien formés tout autour de nous, ça devient beaucoup plus facile de gérer les entreprises, beaucoup mieux qu'avant. Alors, sans la situation actuelle, on aurait pu se diversifier. Maintenant, nous opérons dans 14 pays. Voilà, et finalement, je suis avec vous ici, relax. Absolument. J'ai entendu quelque chose de très intéressant que vous avez évoqué lors d'une intervention ici, lorsque vous étiez l'orateur principal. Alors, vous avez dit que la création d'emplois, c'est mon hobby, c'est mon centre d'intérêt. Merci beaucoup, tout à fait. Merci beaucoup de votre présence. Voilà, c'était l'entretien spécial du jour en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.